Oh. Allez, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant en ce magnifique 31 décembre 2021. Donc eh ben, on vous l'a déjà souhaité, mais bonne fête à tous, même si quand vous verrez cette vidéo là, ben, on sera en 2022. Donc ben, on revient sur un spot, mais un vieux spot hein. Moi il y a bien longtemps que j'étais pas venu ici. Donc ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a le manieur des manques avec nous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part ben, on va lancer et puis on va voir si ça nous cache encore des trouvailles. A tout à l'heure. Il arrive, il va filmer. Alors Kevin. Premier lancé. Une fourchette. Ah, t'en manquais de pour t'en manger à midi. Voilà, bon là. Ça doit pas être bon à mon avis le goût. Alors, jamais, bon, on va attendre la remontée à Magneto. Oh, je crois qu'il y a grand chose, tu sais. Oh bah tiens. Ouais, c'est exactement ça, c'est pour les... Bah pour les... C'est un bâti en fait, je crois, un peu... Non, même pas, j'en sais rien, mais bon, c'est pour les portes, ça. Voilà. Allez, on continue. Bon, on vous reprend pour la... Ouais, moi j'ai fait une brochette, tu vois, avec un écrou, et puis franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais lui, son autre truc, il est chelou, là, regarde. Alors ça, c'est pour le chien à Mathieu, ouais. Vous mettez la balle tennis, puis vous... Ah ouais, pour Oli, on va le garder. Une raquette. Dédicace à Matt Red Bull. Mais non, mais sans déconner, regarde, comme si tu pouvais mettre un manche là, et puis... Ouais, franchement, je sais pas. Bon, c'est bizarre. Cornière, on dirait, mais... T'es content? Très. Ça commence bien. Bon, allez, reprends. C'est ça. Bon, on vous reprend pour la remontée à Magneticien. Eh ben non, c'est pas un fer à cheval, je croyais, mais... Ouais, la vache. J'ai pas de chance. Chelou ton cheval, toi. Non, je sais pas. Si vous avez une idée. Ça... Après, ça c'était mon doigt. Après, ce morceau-là, du coup, qui est bizarre. Et cet objet-là, je pense à une douille, parce que regardez derrière. Une douille en t-shirt. Je sais pas, mais dit que c'est brillant. Ouais. Voilà. Allez, on va reprendre après. Bon, on vous reprend. Remontée du magnéticien. Qu'est-ce qu'il sort encore? De la ferraille. Ouais. Quoi? Un pic à barbelé. Non. Ah non. Ça aurait pu hein. Soit un piquet à barbelé, soit un piquet de clôture pour le grillage. C'est l'épaule gauche à Iron Man. Ouais. Puis une plaque. C'est tout. Alors on continue. C'est bon, on va reprendre pour trouver Magneto. Bah ça je sais pas. Honnêtement, ça fait son poids mais je sais pas du tout ce que c'est. Vraiment pas. Puis là il y a un écrou, un double écrou. Puis the hameçon pour pêcher maniement. Si vous voulez aller à la pêche au maniement, vous prenez ça. Parce que les petits ça suffira pas. Les petits je les plie. Ouais. Mais t'as fini oui ou depuis tout à l'heure là tu me... Hein? Je vais chier là. Allez c'est bon, continue. On vous reprend pour la remontée avec le magnéticien. Alors, vous avez de la ferraille puis au milieu il y a une petite montre. Enfin, ce qu'il en reste, un carreau de montre. Si je retourne là. Mais ouais. Pas mal, pas mal. Et bien évidemment, elle servira plus jamais à rien, hein, la montre, hein, mais... plaisir. Ouais, c'est ça, c'est cool, hein. C'est cool. On y reprend ? Après. Après. Il est fatigué ton panneau là. Voilà. Pourquoi je surfe qui dit? Ouais bah c'est sûrement un vieux panneau hein, peut-être, ou alors c'est autre chose. Bah ça va. Il y a un courant là, c'est fou. J'ai l'impression à chaque fois que je colle, mais en fait non. Hein. Je crois que c'est le courant qui m'enquiquine. On va bien voir.
Allez, viens là, là, là. Allez, viens là, toi. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je dis, c'est le courant qui est embêtant. J'ai peut-être quelque chose une fois. Oh putain. Oh là là, le rail. Oh la merde. Ah là là, il y a un rail juste là et quand on colle dedans. Voilà. Oh, tu vois, c'est bon. J'ai été frais, du coup, bah il est juste là. Ouais. Il est pas lourd, hein. Ah non. Non, mais là, c'est qu'il a bien collé mon lapin. Mais c'est pas léger en plus. Voilà. Voilà. Je suis content. Voilà. J'ai fait mon. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? J'ai fait bon, je sais pas. C'est quoi ça? Oh, c'est un câble, une attache pour quelque chose, ça c'est sûr. Hein. T'as vu qu'elle c'est pointu hein, au bout. On va attraper le requin. Ouais. C'est pour tarponner. Il y a ça. Donc s'il y a des connaisseurs, de toute façon vous me le direz. Il y a un clou. Ouais, c'est des clous. Voilà. Hein? Puis bah, ça c'est une barre de fer. Une barre de fer. Bon bah voilà, hein, pour l'instant c'est. Vous voyez ce que vous avez là là. Juste là, dans les seaux. C'est pas extraordinaire, mais on en fait quand même, donc on continue. Bon, alors depuis tout à l'heure, après plusieurs lancers où il y avait vraiment rien, mais vraiment rien du tout, là je remonte ça et au milieu de bah, des déchets sans intérêt, il y a ça. Bon, déjà il n'y a pas d'or, rien du tout. Vas-y, colle-moi l'aimant pendant que tu vas prendre une tarte dans la gamelle, quoi. Ah, je crois que ton doigt est cassé. Ah, bah oui. Après, je sais pas, hein, honnêtement, un bouton de manchette ou. Attends, je filme, je te montrerai après. Et je sais pas. Si certains d'entre vous savent, je vous le montre un peu mieux quand même. Voilà. Il y a, bon, c'est pas de l'or hein, parce que ça colle à l'aimant. Ça colle très légèrement, mais ça colle. Donc voilà. Tiens, maintenant tu peux regarder. C'est bon. Ok, bon allez, bah si vous savez, dites-moi. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ouvrir les grosses boîtes à sardines. Hein? Eh, regarde ça. Ah, bien joué. Une gaffe, je sais pas. Ouais, si, c'est ça, c'est une gaffe. On en fait souvent, hein. On en fait souvent. Attends. Tourne-toi voir un peu si la clé du bonheur, elle fonctionne. J'arrive pas à l'enlever la clé du bonheur. Elle me casse les couilles. Oh. Voilà. Toi non plus t'arrives pas? Ah, ça marche bien les 360. Hein. Ça marche bien. Voilà. Hop, on met ça là. Puis après, bah y'a rien. Hein. Mais bon, mine de rien, on en fait un peu, c'est ça qui est pas mal. Hein. Franchement, c'est cool, c'est sympa. J'ai tout compris. T'as tout compris? Ouais. Comprendu. Si je te dis que t'es tendu, c'est que t'es tendu. Hop là. Bon alors les amis, là on est plutôt satisfait hein, parce que comment vous dire, on fait relativement des belles trouvailles et des trouvailles qu'on n'a pas souvent faites. Hein, regardez ça. Je pense que c'est une très vieille montre à gousset et je pense que ça serait intéressant après nettoyage de savoir ce qu'elle peut nous cacher. Regardez, c'est magnifique. Hein, moi j'adore les trouvailles comme ça vraiment. Hein, c'est vraiment. Donc si certains d'entre vous ont une idée de la chose, bah bien sûr on est preneur. Et ça finira pas à la poubelle ni à la ferraille. Ça. Ça va être nettoyé, on va le garder. Un magnéticien il va le garder. D'ailleurs hop, regardez, hop, on va le mettre là. Attends, sur son sac tout de suite. Et pour le reste, bon déjà on a déjà fait une montre, un bouton de manchette, là moi je refais une autre montre comme ça. Franchement ça fait plaisir. Quand des fois on est récompensé avec des beaux petits objets comme ça, on est content, hein, je vais pas vous mentir. Allez, on continue. Il y a rien là. Il est en action, hein. T'es en action là, hein. T'es tendu, hein. Ah, tu vois qu'il y a toujours. Il y a rien. Si, yo. Il y a rien. Il n'y a pas du lourd, il n'y a pas une belle. Il y a deux capsules. Il n'y a pas de belle montre comme on vient de faire, mais il y a. Il y a. Ah là là, l'équipe de cinglés quand même. Regardez-le, il est content. Il est content. Mmh. Il décolle sa petite ferraille, il est content.
Ah, t'es content. Vite, t'es content. Content, magnéticien. Bon, on reprend le magnéticien, t'as envie de s'amuser. Un morceau de tube du coup. Et puis, comme un morceau de bro ou je sais pas. Un vase. T'es content? Un caillou dedans. Ils ont remplacé les fleurs par des cailloux. T'es content? Ouais. Ah, vous assistez aux coulisses, hein? Oui, des coulisses, des tournes quand bon, on tourne nos vidéos. Bon, mais tout ce reprend. Ouais, c'est ça, ouais. On vous reprend. 200 gemmes, vous régalez, hein, franchement, les gens. C'est vrai, Kevin. Vraiment plaisir. Alors, merci. Le mécanisme est bizarre. Il est bien à l'heure. Voilà, bah, comme vous regardez en exclusivité, vous assistez au tournage des vidéos YouTube. Là. C'est... À l'heure, voilà. Il est un peu coincé. Il a un beau plomb et puis il a un très gros hameçon. Bah, faites attention toujours à ça. Bien joué, hein, vraiment très intelligent. Là. Bon, on les reprend. Après. Mais sans bon, ça se garde. Hein. On les reprend. Enfin, on vous reprend du moins. Et on a retrouvé le tueur de pelle. Il est revenu encore. Il fait ouais, c'est ça, entre échalément. Oula. Sinon, regardez le soleil. N'est-il pas belle? N'est-elle pas belle? C'est belle. Il fait de la pub là. Et sinon, un vieux sac. Je sais pas ce qui est marqué. Et des trucs. 4G, 1,5 mm, 50 mètres. Ouais, bon, je sais pas de quoi ça vient. Après. Très très bien bon, avec campagnard. On reprend c'est... avec le magnéticien qui galère sur sa prise là. Alors, est-ce qu'il va réussir à nous la sortir? Ah, ça doit être coincé dans les arbres et tout, c'est en l'œuf. Eh, t'énerve pas, Kevin. Rattrape le truc et tourne, pivote-le. Il est bloqué. Non, tu fais pivoter ta corde verte en fait, c'est ça que je veux te dire. J'ai quel âge? J'ai 34 ans. Mon dieu. Un shuriken de Naruto. C'est un truc de chemin de fer. Je crois que c'est un truc de chemin de fer. Oh. Bon, on les reprend quand tu l'as sorti. Voilà, on fait ça. Bon, on va reprendre Kevin avec sa croix de chemin de fer, on pense. Après, si vous avez des idées, dites-le-nous en commentaire. Tout ça, c'est du fer. C'est pour ça que j'ai attrapé, puis derrière, c'est du bois. Donc... Est-ce que t'es content? C'est lourd, surtout. Parce que on va le mettre où? Je reviendrai avec ma petite remarque. Ça marche. Bon, bah voilà, on va vous reprendre sur cette belle trouvaille. On vous reprend. Il y a encore une. Pour une seconde pelle. À neige. Elle est pointue aussi celle-là. C'est une pelle à neige. On va juste remettre la petite moule à l'eau. Ah voilà, voilà, voilà. Fais des conneries. Toi, faire des conneries. T'es content d'avoir fait ta pelle? Bon, on va attendre la remontée à on Manitou. On va creuser maintenant. Ouais. Creuser le tunnel pour m'échapper. Mais moi, je vais pas remonter grand chose, j'ai l'impression. T'échapper d'où? Ouais, creuser un tunnel. Ah, on a vu avec le soleil, ils vont pas voir grand chose. Hein. Moi aussi, ça, on voit bien. Bah, une capsule Heineken que je qualifierais de pas vieille du tout. Puis après, bah, du déchet métallique. C'est pas grave, c'était un caillou. Un clou. J'ai bon, remarqué. On les reprend après. Ouais, c'est les ça. Les deux vis. Bon, on reprend magnéticien encore et toujours lui, de toute façon. Bah ouais. Avec lui qui compte. Alors, tu nous as fait quoi? T'amuses? Oulou. C'est tout pour se lancer là. Bon. Mais ça sort de côté. Tu penses avoir quelque chose, Benito? Non, je pense pas. Attends, t'as remonté. Oui. Et un fil de pêche. Ouais, un fil de pêche. On les reprend après. T'en chies un peu ou... Ah ouais. C'est lourd ouais. Ah ouais. On est sur du lourd les copains.
va y arriver ou on va pas y arriver? Ah, on voit. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc de... Il y a un poêle. Ah bah c'est, ouais, c'est ça, je pense. C'est un vieux poêle. Une plaque à gaz, tu sais. Sinon là, tu aurais ton gaz, puis là, tu poses... Ah, écoute, j'en ai aucune idée. Tu connais pas, ça? Bizarre qu'il y a des trous là, comme ça. Tu t'es approché, il a lâché la soupe par terre. Alors là, les amis, je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Oh, aucune idée. Bon. Écoutez, si vous savez, hein, vous pouvez nous le dire. Mais là, j'avoue que je sais vraiment pas du tout ce que ça peut être. En fait, c'est bien lourd. Là, de l'autre côté, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de truc. Mais... Ok. Bon, bah, si vous savez, vous nous le dites. Allez, les amis, c'est fini. Fini pour aujourd'hui. On aurait bien continué parce qu'on sent que le spot, il est encore assez pollué. Mais après, bah, faut évacuer. Vous voyez ? Faut pas laisser ça là, donc on arrête là et on reviendra de toute façon. Allez, il y avait le magnéticien. Salut, à la prochaine. Le manieur d'aimant. À la prochaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. À bientôt, les amis. Salut.